Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mercredi 3 octobre 2018. Municipal régional 2018, des routes, des écoles, des grands projets de développement sont proposés par les candidats aux électeurs. La foire aux promesses, titre Fraternité Matin. Dans son dossier, le journal des municipales et régionales, Fraternité Matin dévoile la vision et les ambitions des candidats. De Marcory à Bingerville, en passant par le Morono jusque dans le Tonkpi, le journal nous propose un point complet des activités des candidats. Plateau, un ex-bras droit de Benjo révèle « C'est moi qui ai trouvé l'argent pour payer les électeurs de Jacques Ewo aux législatives de 2016 », affiche l'intelligent d'Abidjan à sa une. Cette révélation intervient au moment où le député du plateau brigue cette fois le poste de maire de la commune en tant que candidat du PDCI. « C'est dans les urnes que ça va se passer », retorque Kone Idrissa du PDCI à cette nouvelle accusation. Procès en acquittement à la Cour pénale internationale, le jour plus donne la parole à Issiaka Diaby, président des victimes. Des forces parallèles étaient sous le contrôle de Gbagbo, affirme-t-il à la une du journal. Pour lui, il est impérieux de maintenir Gbagbo en détention. Plus de détails dans la parution du jour plus. Le titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.